Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Clairefontaine. Ce lundi 3 juin, on débute la semaine en Normandie, comme on l'a fini, on a terminé dimanche du côté de Deauville. Cette fois, lundi, ce sera Clairefontaine, c'est pas très loin, bien entendu. En tout cas, ce sera avec les sauteurs que nous avons rendez-vous. La quatrième course du programme dans cette réunion 1, ce sera le prix Léopold d'Orsetti. C'est un handicap divisé, une première épreuve disputée sur le Steeplechase et qui est longue de 3900 mètres. Des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus qui seront au prix, ils ne sont que 14. Un petit quintet, c'est vrai qu'il n'était pas beaucoup au moment de la découpe du handicap. Du coup, voilà, on a découpé de manière à ce qu'il y ait suffisamment de partants dans la première et la deuxième épreuve. En tout cas, une compétition qui est prévue à 18h, qui est intéressante à déchiffrer. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9, Mandarin Basque. Un cheval qui, comme vous le voyez, a été longtemps arrêté, quasiment 1 an et demi. Il est revenu à la compétition cette année. Il n'a pas manqué son retour, hein. Il s'est imposé. Derrière, un petit peu décevant. On peut mettre ça sur le compte de la deuxième course après une longue absence, hein. C'est vrai qu'on parle souvent de ce syndrome de la deuxième course. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé puisque derrière, il s'est une nouvelle fois imposé. Puis, dernièrement, regardez, c'est la course référence. Il a fini deuxième, d'un quintet plus devant Uric des Aubeaux sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc voilà, pour le coup, la forme est là, la compétitivité dans cette catégorie aussi. Et puis, chose intéressante, il y a 2 ans, ce numéro 9, Mandarin Basque, avait couru cette épreuve et il avait fait l'arrivée. Je ne sais plus s'il avait fini troisième ou s'il avait fini. Honnêtement, je me souviens plus trop de son classement, mais en tout cas, il avait fait l'arrivée de cette compétition à un point en plus, il me semble supérieur. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Un cheval qui est en pleine possession de ses moyens pour son retour sur l'hippodrome de Clairefontaine. À mon avis, si ça se passe bien, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5 Uric des Aubeaux. Uric des Aubeaux qui vient de terminer quatrième, hein, derrière son rival Mandarin Basque dans cette catégorie. Donc un cheval pareil, qui est compétitif à ce niveau-là, qui vient de prouver sa forme et puis qui a pas mal de fraîcheur. Vous le voyez, il n'a couru que 2 fois cette année. Alors c'est pas forcément un gagneur, hein, vous le voyez, c'est un cheval régulier. Maintenant, je trouve qu'il est pris à une valeur très correcte sur l'échelle des poids. Il l'a prouvé la dernière fois qu'il était capable de bien faire à cette valeur. Et puis, surtout, il est sur la montante. Il a couru 2 fois, à mon avis, il va encore afficher des progrès sur ses 2 sorties de l'année. Ça peut pourquoi pas lui permettre de rivaliser pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8 Allegro, un cheval qui, un petit peu comme le numéro 9 Mandarin Basque, a connu une interruption de carrière. Hein. C'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas énormément couru du haut de ses 6 ans. Vous le voyez, il n'a couru que 3 fois l'année dernière, il n'a couru qu'une seule fois. Donc voilà, un cheval qui a donc dû avoir des petits problèmes de santé, comme ça peut arriver pour les sauteurs. En tout cas, un cheval qui vient de terminer quatrième d'une listed race sur l'hippodrome d'Auteuil, un cheval qui est quand même en forme. Ça va être son premier handicap en ce type. Je crois qu'il a déjà tenté sa chance en haie, dans les gros handicaps. Maintenant, ça ne m'inquiète pas, je trouve qu'il est pris un point assez intéressant. C'est un entraînement redoutable. Angelo Ziviani qui lui sera associé. Pour moi, c'est une des priorités de cette course et, à mon sens, il est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, je suis parti en haut de tableau avec l'As Rafle Liaison. Rafle Liaison, à mon sens, c'est tout ou rien. Parce que c'est vrai que cette année, 2 sorties, pas montré grand-chose. Maintenant, c'est un Hongrois de 5 ans qui affronte ses aînés. C'est un cheval qui a montré de la qualité à ce niveau-là l'an passé. Je pense qu'il faut vraiment pas le condamner sur ces 2 sorties de l'année qui sont assez moyennes au demeurant, mais juger sur ce qu'il a montré l'année dernière, en plus je crois qu'il a été baissé d'une livre hein, par rapport à sa valeur de l'année dernière. Pour moi, il est capable de rivaliser même pour les premières places, pour juste qu'il montre son vrai visage. Et si c'est le cas, à mon avis, il est capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4 Calotin. Calotin, c'est un profil assez spécial, vous le voyez. Il a été mis sur la touche pendant plus d'un an et demi. Il est revenu cette année à la compétition, de deuxième place dans des courses à conditions. Et puis dernièrement, c'est la course référence. Il a terminé premier d'un réclamé devant Footballisto. Il a un profil qui est assez spécial parce qu'il a couru que 21 fois, 21 fois. Et c'est un cheval qui est âgé de 9 ans. C'est vrai que s'il n'était pas si âgé, j'ai envie de vous dire la dernière fois. Faut le réclamer. Regardez cette régularité. C'est un cheval qui a couru dans des lots assez intéressants durant sa carrière. Je crois même qu'il était en 59 de valeur, si je me trompe pas. Il est maintenant en 54. Enfin, un truc assez fou quand même. Enfin, il a vraiment. Ou alors peut-être je me confonds avec Footballisto. Non, c'est avec Footballisto. Mais en tout cas, Calotin, c'est un cheval qui a montré de la qualité par le passé dans sa jeunesse. Et c'est vrai qu'il est en pleine possession de ses moyens pour son retour dans les handicaps. On fait appel à James Rabelais. James Rabelais, je sais pas si c'était lui la dernière fois déjà. Non, c'était pas lui la dernière fois. Mais en tout cas, James Rabelais qui a eu des problèmes de santé, qui lui aussi est revenu à la compétition assez récemment.
Quoi qu'il en soit, pour moi, Calotin, pour son retour dans cette catégorie, c'est un cheval qui est largement en mesure de lutter pour les premières places. Donc attention, moi je l'ai retenu seulement cinquième parce que c'est un choix, mais il est vraiment capable de faire beaucoup mieux. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6 Extra Well du Porto. Extra Well du Porto qui vient de gagner un handicap sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc la forme est là. Pardon, c'est une jument de 6 ans. Elle a été pénalisée suite à ce succès assez logiquement. Maintenant, son entraîneur est un amabile, un entraîneur en forme qui a également supplémenté sa pensionnaire pour cette épreuve. Donc voilà, ce sont quand même pas mal d'arguments qui jouent en sa faveur. Et pour moi, malgré le point en plus, elle est capable encore une fois de rivaliser, mais plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 12 Footballisto. Comme je le disais, hein, je m'étais trompé avec le numéro 4 Calotin. Ce numéro 12 Footballisto qui a repris du moral a réclamé. C'est vrai qu'il avait couru handicap l'année dernière. Il faisait l'arrivée en 59. Là, il est descendu en 54. Vraiment, pour le coup, on peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de la situation en bas de tableau. Un cheval qui est en forme, en plus, il vient de prouver son aptitude à ce parcours en terminant quatrième du réclamé de Calotin. Voilà, la ligne est bonne à mon sens. C'est un Hongrois de 10 ans qui a de l'expérience, un entraînement également habile, hein, la famille Pelletier qui en général avec les vieux chevaux se débrouille bien. Et voilà Nicolas Gauffnik qui lui sera associé. Pour moi, c'est un concurrent qui est capable de terminer dans les 5 premiers. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 10, Frimousse qui vient de terminer 5e à ce niveau-là. Pas forcément une grosse marge de manœuvre depuis sa victoire il y a 2-3 courses dans cette catégorie. Mais bon, sa dernière sortie est quand même assez encourageante, même si elle n'a pas trop de marge. Ils sont que 14 au départ. Elle a quand même la forme avec elle. Et pour moi, s'il venait à y avoir une ou deux défaillances, elle est capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et puis, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Alcée. Alcée, une jument de 5 ans, qui a un petit peu déçu. La dernière fois, elle est tombée. Je suis pas sûr qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. Maintenant, elle aura pour elle sa jeunesse. Et moi j'aime bien son profil, un petit peu comme Raph Le Liaison, j'aime beaucoup les 5 ans dans cette épreuve, même si j'ai pas retenu le 3 idéal de Cibola, mais tout ça pour dire que ce numéro 2, Alcée, sans en faire une priorité pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la rajouter parce qu'elle est capable, pourquoi pas, de prendre une 4-5e place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Mandarin Basque, que j'ai retenu en tête devant le 5, Uric des Obeaux. En troisième position, le 8, Allegro, devant l'As, Raph Le Liaison. Le 4 Calotin en cinquième position devant le 6 Extra Well du Porto. Le 12 Footballisto en septième position devant le 10 Frimousse en cas de non partant le 2 Alcée. En conseil de jeu, je vous conseille plutôt le numéro 9 Mandarin Basque pour moi qui est la base intégrale. Hein. Un cheval en forme qui a déjà fait l'arrivée de cette épreuve et qui est compétitif à cette valeur. Rien à ajouter pour moi. S'il fait sa course, il ne devrait pas taper loin. Le 5 Uric des Obeaux, c'est la ligne. Il vient de terminer quatrième derrière Mandarin Basque. C'est un cheval qui est sur la montante après deux courses dans les jambes. Pour moi, priorité également. Et puis voilà, j'ai trotté le 8 en troisième position. Le 8 Allegro qui reste sur une bonne tentative dans une listed race. Pour moi, son premier essai dans cette catégorie en steeple, il est capable de trouver sa voie et de monter sur le podium. Donc 9-5-8, mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit point du côté de nos deux rubriques. Avec Top Pronos Tour Sélection qui commence très très bien le mois et le week-end ce samedi en vous indiquant tiers écarté et le quintet également pour Top Pronos, un quintet qui chiffre à plus de 620 euros avec les bonus. Donc voilà, une belle journée de la part de nos deux rubriques, pardon, en plus des différents trios qui vous ont été indiqués et les coups de cœur. Vous pouvez d'ailleurs tester ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Vous pouvez d'ici là également laisser votre pronostic en commentaire. Hein. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain, comme je vous l'ai déjà dit, ce sera du côté de Vichy en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.